Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de The Witcher 3 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés avant d'aller à Velen et comme je vous ai dit qu'on allait faire les dernières quêtes annexes de Blanchefleur, en réalité il n'y en avait qu'une. Les quêtes qu'on avait loupées, enfin plutôt les dialogues qu'on avait loupés étaient des étapes pour la quête contre le griffon. Je ne sais pas pourquoi on les a pas eues, mais c'est pas grave. Donc on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Alors, parlons au marchand. What happened? Monsters from the swamp. Folk said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. J'ai également changé de... What happened? D'habit. How can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked. Ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck. Devoured Asha, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. D'accord, je vais aller chercher votre boîte. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Oh, il y a des ennemis là. Ah bah je les one shot ceux-là. C'est juste le plus grand que je pense pas one shotter. Ah si, ça fait assez de dégâts. Donc oui, j'ai un nouvel équipement. Alors la quête. Ok. C'est par là-bas. Ah non, il faut que j'identifie d'abord ces traces-là. Ok. Cart tracks, rode off into the swamp. Un petit peu de pain. Here's the cart. Cart's riddled with arrows. Interesting. I should take a look around. Désolé, j'ai muté mon micro pour éternuer. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Donc allons le voir. Après ça, nous irons faire continuer les quêtes à Velen. Oh, and you find the box. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver, with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better rider than you are a liar. Ok. Un teint de changement en plein milieu. Ah oui, je suis brûlé, merde. Run, Roach. On va un petit peu couper, voilà. Not your lucky day. Et voilà.
Gotta get him out of here. Wake up. See? Can't run from the truth. Not even on a horseback. Now, who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John Gierma. Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live and fight once more for a free North. Fine, go. And may you and your soldier buddies hiding in the bushes be victorious in your struggle against Nilfgaard. You've a vile sense of humor, but you're a decent man. Here, the gold I promised. Use it well. Drink to the Silver Lilies and to Faltes' memory. Et voilà. Donc, on va tout de suite à Velen. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire à part aller à Velen. Ok, donc on apparaît en plein milieu. C'est vraiment très grand. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Toujours un temps de chargement. Hein. Attendez, est-ce qu'il y a le suite FX? Je sais pas, on dirait, mais. C'est bizarre. C'est vraiment qu'il y ait, mais. Là, c'est beaucoup trop clair à mon goût. Ouais, non. Là, il y est. À mon avis. Ouais, c'est là il y est. Je sais pas. Ouais. Attendez, je regarde bien. Hein. Ouais, là il y est. Ouais. On va sauvegarder. Alors, carte du monde. D'accord, donc on va aller plutôt ici d'abord en premier pour voir ce qu'il y a comme quête intéressante. Oh, encore un village brûlé. Désolé ma petite. Alors, avertissement. La veillée des ancêtres approche, aidez-nous à lui redire adieu. Avertissement. Avertissement, oui. Épouse disparue. Looks like rain. Alors, carte. D'accord, pourquoi pas. Les 45 bateaux en tout. Ok. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de faire toutes les zones, de faire tous les lieux non découverts et les quêtes également. D'accord, Novigrad c'est niveau 10 et Skellig c'est niveau. D'accord. Ça c'est Novigrad et ça c'est Velen.
Whoa there, Roach. À quelle distance? Ah, vraiment très loin. Donc celui-là, il sera plus tard. Cette quête-là, plutôt, je veux dire. Celle-ci, ouais. Où se trouve celle-ci? À Novigrad, littéralement. Ok, bah. Ça va vraiment être de l'annexe, là. Donc si vous ne voulez pas voir que de l'annexe, ne regardez pas cette vidéo, tout simplement. Et comme j'ai seulement posté les deux premiers épisodes, je ne sais pas si vous... enfin, non, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un épisode qui est posté et 4 qui sont upload. Mais j'ai pas encore vos avis, en fait. Oh, niveau 7. Attendez. Ah, je me suis loupé. Encore une fois, allez. Ah, je me suis trompé. Pas assez. Maintenant. Oh, oh, oh. Ça risque d'être assez difficile, hein. Je peux vous l'avouer. C'est dangereux. Allez, viens. Si on se la joue pas dangereux, c'est pas marrant. Alors, ce que je voulais faire, c'est prendre le contrôle de son esprit. Voilà, one shot. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le one shot. Ce que je sais, c'est que je l'ai fait. Il y a quelques petits lags là. C'est dû à la pluie sûrement. Je vais quand même baisser un petit réglage. Désolé de faire ça en vidéo. Le terrain, je peux le mettre en élevé, ça aussi. Essayons comme ça. Non, ça change rien, c'est la pluie qui chante. Pour vous ça ne lag pas, mais moi ça me lag un petit peu, donc c'est pas grave. Méditation. On va méditer jusqu'à... Ah, je peux pas faire ça maintenant, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai plus l'interface. Ah, ça one shot en fait. Je crois que j'ai compris comment ça se fait que ça one shot. Non, pas du tout. C'est juste une chance quoi qui... Attendez, je ne vois vraiment pas pourquoi j'ai plus l'interface. C'est vraiment chiant. Mais c'est pas grave. Ok, c'est... je sais pas. Je ne comprends pas.
J'ai pas censé avoir le niveau pour les abattre pourtant. Et vraiment pas. Mais c'est pas grave, c'est tant mieux. On va libérer les personnes qui étaient prisonnières. Comment on rentre? Par là. Alors regardons, il y a rien d'autre ici. Ah d'accord, c'était pour libérer le forgeron. C'est bien ça. C'est très très bien. Donc celle-là elle est bien. Oh, regardez cette beauté, mon dieu. Alors quête, j'ai pas d'autres quêtes. Non, pas de quête. Alors déjà inventaire. J'ai une lettre. Vous pourrez lire. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est des mauvaises armes que je détruirai plus tard. Petite sauvegarde rapide. Donc, on est à combien de temps là? Ouais, donc je pense que cette vidéo et la prochaine également serviront à faire la visite là. Moi, je compte vraiment le finir à 100%. Ouais. Dès qu'un jeu je peux le faire, je le fais. Et celui-là, il est très très bien, je trouve. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand j'active le sweet FX, ça change ma texture, enfin mon écriture. Désolé, j'ai vraiment du mal à l'exprimer. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ça change mon écriture de texte. Mon Arial, enfin mon bas-fonte, et c'est assez chiant, je trouve. Bon, je suis sûr si tu es des ennemis dans l'eau. Verrouillé, d'accord, ok. Viens. C'est assez chiant ça quand même. Allez, moi je cours. Il faut courir quand c'est comme ça. Regardez-moi ce soleil. Position actuelle, c'est bon. Ah, j'ai trop envie de faire. Il y a trop de trucs, c'est chiant. On va les prendre juste les lieux un par un. Enfin, on prend chaque panneau un par un, quoi. Pour le moment, ce sera suffisant. Et voilà. Ah, je suis parti du mauvais côté, d'accord. Ouais, donc je sais pas si vous allez aimer ça. Vu que c'est pas très intéressant, on va juste d'endroit en endroit, quoi. C'est pour ça que d'habitude je le fais hors vidéo. Mais... pour le moment, je continue comme ça jusqu'à ce que vous me disiez quelque chose. Si ça va, si vous aimez bien, si vous... ces petites vidéos détente, où on visite un peu tout.
Ah, si vous me dites que je peux pas passer, ça va être chiant. C'est bon, il y en avait un dans le sol. Ah oui, il est dans le sol. Il y en avait un dans le sol. Oh, bah alors lui, il peut juste à côté de moi, quoi. Non, ils font pas les choses à moitié. Donc avant de continuer, on va méditer une heure. Juste à partir d'ici, vu que j'avais oublié qu'on n'avait pas eu le temps de méditer encore. Ah. J'espère que vous n'entendez pas mon PC tourner. Ce serait un peu ballot. Je sais que déjà vous entendez un peu ma manette, mais pas la télé. Pas mon ordi. Je sais pas comment ça se fait vraiment. Ça a l'air d'être des coups critiques je sais pas. C'est moi le vigne, il faut monter. Alors, qu'avons-nous dans l'inventaire? De l'alcool. Ah. Okay. On va se reposer encore une heure. Là, je peux pas le faire parce que je suis... Voilà, là c'est mieux. Alors, le suivant, carte du monde. Ok, bah je vais faire déjà le côté de cette île, enfin de cette, de cet endroit. Donc à ce que j'ai vu, si on rushait la quête principale uniquement, c'était 40 à 60 heures, mais bon, comme je vais pas rusher, ça va sûrement être 200 à 300 heures. Tant mieux. Hein. Les jeux à une durée de vie aussi grande se font rares de nos jours. Au moins ça nous fait XP, ça ne vous pas rusher comme des mongols. They'd have eaten me alive for certain. The corpses must have drawn them. Thank you for not leaving me there. Seems luck's with me at times after all. Luck? Guess things could be worse. You get infected recently? That why you haul corpses? What? No, it's my job. Well paid too. Thing is, you're not a witcher or a mage, so you're not immune. I'm no foul mutant, thank the gods. But no worries, eh? It's just, well, no illness ever holds me. How did this happen? Axle snapped first. So, I poked me head underneath, see if I could fix it. Then out of the blue, a howl from the woods. My mare reared as if a wolf had already clinched her hind. The cat tipped and whoa, the cargo fell right on top of me. Your horse ran off? Aye, damn thing bolted. Ain't that my luck? If it don't rain, a wagon of stiffs pours on me head. Gonna need a new cart. Gotta burn this one, soon. Can't I just bury the stiffs somewhere near? Cart's still fit for fixing. Anyone learns you carried plague victims in it, no one will ever hire you again. Why would they need to learn? I won't tell if you don't.
and you'll spread the pox for miles around. Oh, needs must, I suppose. Got anything to start a fire with? Bien sûr, hein, je suis là. Alors. Am I ever lucky I ran into ye? Thanks for your help and wise counsel. Here's some more. Go home, burn those clothes, and scrub yourself thoroughly. Yo, sure, but I tell you true, no blight could touch me. Sure hope so. Farewell. Okay. Fucking hell, that stinks. Alors, donc, une petite quête comme ça. Pourquoi pas? C'est vrai que j'aurais pu l'aider à enterrer les cadavres, mais ça aurait été plus long. Oh, c'est beau. Mon dieu. Ce jeu, certains disent qu'il est nul parce qu'il y a un downgrade graphique. Mais les gars, sérieux. Qu'est-ce que vous en foutez? C'est beau. Il y a un downgrade graphique. Et alors, les mods vont pas tarder à arriver. Regardez, j'ai déjà le sweet FX après 2 jours. Je vous jure. C'est pas ce que je voulais faire. Pas ce que je voulais faire non plus. De concentration. Avec les boucliers, je prends pas de risque. Voilà. Alors. Je vais arrêter de ramasser les cadavres, c'est ça, ça donne juste des armes inutiles. Mais en fait, dans le jeu, il faut obligatoirement explorer, sinon il n'y a rien quoi. Il reste que 10 points, ça va. On dirait pas pourtant. Je l'attaque lui. Range ton épée, je t'ai dit. Voilà. Ah, toujours en trompe de chemin, désolé. Faut que je me fie au point vert et pas aux autres points. Je pense que c'est la zone où on est là, ça va être la... Voilà, comment dire... La plupart du temps, on va la passer dans cette zone en fait. Dans... Vu qu'après c'est un archipel, mais bon... Enfin, c'est des... Ouais, c'est un archipel, ouais. Arrête de parer mes coups. Ah, bien joué. Dernier, on s'en occupe comme ça. Voilà. Plein d'équipétitions. Donc si vous voulez faire des combos comme ça facile, hein, bah, je vous ai montré. On est bientôt au niveau 7, bientôt. Dans la tente, je parie. Pas dans la tente, donc pas dans la tente. Oh, il y a des loups là-bas. Beaucoup de loups. Je peux pas être dans un tonneau. Ah, ici, d'accord. Ah non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça non plus. Non. Où est-ce que c'est ce trésor?
Là, c'est bien un trésor caché, hein. Il part en dessous, au moins. Pas ce que je vais faire, c'est ça que je voulais faire. Je pense que je suis tout simplement aveugle, en fait. Ou alors qu'il y a un bug, tout simplement. J'aurais pas déjà ramassé, quand même. Non. Oh, une arme plus puissante que celle d'avant. Oula, qu'est-ce que c'est que cette arme? Waouh, la lame lunaire. On l'équipe. On l'équipe aussi. Ok. Rien d'intéressant là. Ok. Sans savoir quelque chose, juste là. Juste dans cette zone. Des ennemis, d'accord. C'est pas lui qui l'a, non? C'est pas lui. Je vais chercher et pendant ça là je fais une petite ellipse. Allez, ellipse. Bon, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, donc je vais relancer le jeu, mais par contre nous allons nous arrêter là. On s'arrêtera là et on reprendra la prochaine fois ici quand j'aurai retrouvé le trésor. Ou alors ailleurs, si jamais je le retrouve pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZusted pour HTTPanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.